Travailler avec les produits locaux, pour moi, ça a toujours été quelque chose... Ça a toujours fait partie un peu de mon expérience culinaire. Moi, je suis quelqu'un qui vient de l'école de pensée en cuisine où que si ton produit est frais, si ton produit est beau, si ton produit est honorable, mettons, tu sais, dans ses valeurs, dans comme d'où ça provient, tout ça, ça paraît directement dans ton assiette. Ça paraît aussi dans le care que tu veux donner, mettons, à ton assiette. Ça va paraître dans l'attention que tu t'apportes à tes petits détails, dans l'amour que tu vas donner à tes plats. C'est drôle, mais ça vient comme ça, tu sais, c'est vraiment... Pour moi, ça me prend ça, ça me prend cette espèce de connexion avec le producteur, ça me prend la connexion avec le patrimoine alimentaire de la région, genre, pour vraiment être capable de créer puis développer. Ça fait 2 ans que c'est moi qui est le chef ici. La première année qu'on a ouvert, il y avait quelqu'un d'autre avec qui je travaillais avec. Notre focus ici, ça a toujours été un peu d'apporter une nouvelle forme de cuisine gaspésienne. On a trouvé qu'il y avait tout le temps un peu une répétition, un peu si on voulait, dans les menus, une répétition dans les produits, dans les façons de faire. Puis l'idée, c'était vraiment d'apporter une fraîcheur puis un renouveau un peu. Là. Les produits locaux, pour moi, c'est clairement un avantage. C'est quelque chose qui vient, je veux dire, pour moi, ça devrait juste faire partie de ça. La cuisine est démarrée de ça. C'est l'espèce de conception qu'on a de servir plein d'ingrédients étrangers, plein d'éléments étrangers. C'est vraiment venu dans les dernières années, dans l'espèce de mondialisation, dans le vouloir de, comme tout le temps, être plus gros, plus de flasher, tu sais. Mais en soi, la qualité du produit, ça change tout. Pour moi, c'est clairement un avantage. Je veux dire, oui, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, mais après ça, c'est souvent plus une question d'explication au niveau de la clientèle ou au niveau des producteurs, ou au niveau de, tu sais, c'est juste une question de communication. C'est de revoir carrément la chaîne d'approvisionnement, puis de, tu sais, comme... essayer d'être capable de sinuer au travers de tout ça, vraiment. Pour moi, l'idée de renouveler un peu, ça vient du principe que moi, quand je venais ici, étant plus touriste, mettons, je trouvais qu'on tournait beaucoup autour des mêmes plats, on tournait autour des mêmes façons de faire. Fait qu'après ça, pour moi, ça a été vraiment important de ramener une évolution au niveau de la fraîcheur, au niveau d'une nouvelle approche aussi, qui est moins axée sur la masse touristique, puis plus axée sur... une expérience en soi épicurienne de gens qui veulent venir ici pour déguster vraiment nos produits qui sont ici. Si on regarde qu'est-ce qui se faisait anciennement, c'était beaucoup de satisfaire un peu l'idéal touristique de, tu sais, on vient en Gaspésie, on veut manger des pétanques, des palourdes, des ci, des ça, mais c'est qu'à un certain point, tu restes une semaine, 2 semaines, tu veux quand même qu'il y ait une variété, on veut pouvoir offrir une variété. L'idée, c'est pas de faire compétition, de dire que les autres affaires, c'est moins bon, c'est juste l'idée d'amener une autre vision. L'auberge, comme tout le monde dans le coin appelle communément encore le camp de base Coin du Banc, c'est l'auberge. Donc, on a aussi ramené ce nom-là, c'est la table de l'auberge, pour continuer à faire le lien entre le passé et le futur. Il y a eu des super bonnes années à l'auberge où est-ce qu'on sortait 250 assiettes par jour facilement, dans les années 90, je vous dirais. Puis avec un grand menu, tous les plats traditionnels qu'on retrouve en Gaspésie, en particulier la morue qui était apprêtée de 4 différentes façons. On a voulu continuer à servir des plats traditionnels, mais avec une présentation plus actuelle. On a décidé de travailler avec les producteurs locaux et d'avoir un maximum de produits du terroir sur notre menu. Bien, tout d'abord parce que c'est dans nos valeurs à nous de travailler avec les gens de notre communauté, puis essayer de... Puis ça, autant au niveau du plein air que de l'hébergement, que de la table de l'auberge, de travailler ensemble, éviter que les gens travaillent chacun de leur côté. On croit vraiment que c'est ensemble qu'on va faire briller la Gaspésie, qu'on va pouvoir aider les producteurs à se faire connaître. Puis c'est des produits qu'on aime, nous autres aussi, consommer. Donc, on va pas se cacher que c'est le fun de les avoir chez nous. Nous, on aime boire une bonne bière, puis on aime prendre de la truite fumée au paternel. On croit vraiment que c'est les meilleurs. Wow! C'est beau, hein? Quand même beau! C'est hot, le bourrache. Ben oui, ça se mange. Toutes mes fleurs se mangent. Bourrache. Bourrache, ouais, c'est ça. J'avais déjà vu ça. C'est sûr qu'avoir accès à des produits locaux en tout temps, ça peut être vraiment difficile. En même temps, ça donne souvent lieu à des belles rencontres. Moi, c'est vraiment ça que je retire souvent. C'est, tu sais, que ce soit Marie-Claude au Jardin de la Marie-Lys, que ce soit Joanne à Ferme des Arabes à Matane,
Ça a été deux belles rencontres que j'ai faites l'année dernière que j'avais aucune idée de leur existence. Puis ça a vraiment été par inadvertance ou tout simplement par recherche Internet, là, d'essayer de trouver une production porcine ou, tu sais, comme... Puis finalement, Marie-Claude, on s'est croisés dans la rue, là, tu sais, c'était vraiment comme un addon comme ça, puis on s'est parlé, puis finalement, c'était un projet qu'elle développait, nous autres, on développait notre projet aussi, puis ça a comme adonné qu'on était deux projets qui se partaient un peu en même temps, finalement, fait qu'on a pu comme pu évoluer ensemble. Faut que j'aille jusqu'à Matane pour chercher mon port, là, tu sais. Fait que des fois, c'est sûr que ça peut être difficile, mais à un certain point, je trouve que c'est quand même important d'encourager ce côté-là. La vraie difficulté, c'est surtout dans le réseau d'approvisionnement. Mon port à Matane, il fait la circulation en autobus. T'sais, ça passe par Expedibus, là. C'est carrément ça. Là. Fait qu'elle, elle m'envoie ça congelé dans des glacières avec de la glace, dans deux glacières d'épais, puis elle me ship ça par autobus, puis moi, il faut que j'aille le chercher à 9h à Gaspé. Là, t'sais. Fait que c'est sûr que c'est une réalité, c'est une autre réalité, mais c'est une fierté en même temps de pouvoir dire ça, ça vient de telle personne, si vous voulez, vous pouvez aller voir ses jardins, vous pouvez aller voir sa production. T'sais, c'est comme, ça n'a pas de prix, cette petite qualité, ce côté-là, c'est pour moi, c'est essentiel. Le menu du Café de l'Anse a quand même beaucoup évolué au cours des deux dernières années. Ça a toujours été un menu avec certains classiques gaspésiens. Les boules à la morue rôtie, les crevettes sont à l'honneur. Les fruits de mer en général là, ont toujours été à l'honneur sur le menu. Mais là, depuis deux ans, on essaye vraiment de se tourner vers les producteurs locaux au maximum, de varier un petit peu notre menu, là, de travailler les produits locaux, mais d'une façon un peu différente de la façon traditionnelle. Là. Évidemment, on garde les valeurs sûres, là, certainement, mais on essaye quand même à chaque année d'amener des nouveautés qui sont un peu moins vues dans la région. Là. Des pad thai, ce genre de choses-là, mais dans lesquelles on peut intégrer des crevettes ou toutes sortes de produits locaux. Là. On a la chance ici à L'Anse-aux-Griffon d'avoir deux jardins, deux maraîchers, en fait, deux producteurs maraîchers. Il y a la maison aux Lilas de L'Anse et les jardins d'Amaryllis. Ils sont vraiment collés. Ça nous permet d'avoir des légumes frais, locaux, cueillis le matin même dans notre restaurant. Puis je vous dirais que c'est vraiment un défi en Gaspésie d'avoir des fruits et légumes frais, prêts à... Quand on les reçoit souvent aussi, ça fait un certain moment qu'ils sont dans le transport. Pour nous, c'est tout un changement d'avoir des partenariats avec ces deux maraîchers-là. Ça nous permet de transformer des choses aussi. Des fois, eux, ils ont des gros lots d'une herbe ou d'un légume, mais nous, on peut les transformer, les mariner, faire des pestos, ce genre de choses-là qu'on intègre après dans nos menus. C'est circulaire parce que eux, c'est des produits qu'ils ont en grande quantité qu'ils ne vendraient pas à des particuliers, puis nous, ça nous arrange de pouvoir le transformer et d'en faire autre chose. Fait que c'est vraiment gagnant-gagnant là, dans cette relation-là. Ça reste que la Gaspésie, pour nous, c'est une région touristique. Donc, le service de distribution, il fonctionne bien l'été, mais un petit peu moins bien l'hiver. Parce que l'hiver, il n'y a pas beaucoup de tourisme. Là. Fait que c'est ça, je pense, un peu la difficulté des distributeurs. Là. C'est que c'est une courte période dans l'été. Au niveau de distribution, ben, tout est une question de coût de marchandises. Avec le transport et tout, souvent, c'est plus difficile d'avoir les produits. Moi, quand je dis locaux, je parle de produits du Québec. Là. Fait, souvent, les produits du Québec, surtout dans les fruits et légumes, c'est plus dispendieux. Fait que pour eux, c'est pas avantageux de s'approvisionner avec ces produits-là. C'est sûr qu'en saison, en été, c'est plus facile, mais le coût de revient reste quand même plus cher qu'une caisse de tomates qui vient du Mexique. Il y a certains distributeurs qui se démarquent dans la région pour ça, mais d'autres un petit peu moins. Il faut trouver un balancier entre ce qui est demandé et ce qui est perçu comme étant le produit gaspésien typique, puis ce que c'est aujourd'hui. Il y a quand même un décalage. T'sais, nous, on fait un travail, on essaye d'aller chercher des producteurs locaux. La clientèle touristique vient avec plein de bonne foi aussi, puis avec une idée préconçue de, tu sais, en Gaspésie, on mange au mort, puis on mange de la morue, peu importe la saison, puis il faut que ce soit accessible maintenant, tu sais, alors que, on le sait, la morue gaspésienne, c'est plus ce que c'était il y a 20, 30, 40 ans. C'est vraiment plus un produit qui est accessible pour un restaurateur, par exemple. C'est sûr qu'il y a une éducation à faire
au niveau touristique, à mon avis, sur certains produits comme ça, que les gens s'attendent à retrouver dans les restaurants gaspésiens, je pense pas que c'est propre au Café de Lens. Mais tu sais, la morue que nous, on sert, on en passe tellement, on passe des caisses de morue par semaine, on pourrait pas s'approvisionner en morue québécoise pour servir ce volume-là. C'est juste pas disponible. Définition d'un produit local. Chez Gaspésie-Gourmande, comment on l'a défini? Puis on s'est fait une politique, nous, dans les dernières années. Mais maintenant, on s'est dit, OK, il faut clarifier c'est quoi un produit Gaspésie-Gourmande. Fait qu'on s'est dit, bon, première étape, c'est sûr que quand c'est cultivé en Gaspésie, c'est très simple, hein, ça pousse ici. Quand c'est élevé en Gaspésie, bien, c'est dans les champs, c'est dans les tables, c'est, bon, dans les bergeries. Donc, ça, c'est assez facile. Ensuite, quand c'est cueilli, quand c'est récolté ou que c'est prélevé en Gaspésie, on pense à l'eau d'érable, aux champignons forestiers, aux têtes de violon, toutes ces choses-là, on se dit, bon, ça, c'est un produit local. Pour moi, c'est un produit Gaspésie-Gourmand. En principe, après ça, qu'est-ce qui est pêché en Gaspésie? Ça aussi, pour nous, c'est un produit local. On a des poissonneries qui font des galettes à la morue. La morue, on s'entend, il n'y en a pratiquement pas en Gaspésie, c'est des prises accidentelles. Donc souvent, quand il y a des gens qui viennent ici, hey, on mange de la morue, c'est bon, produit gaspésien. Non, la morue n'est pas un produit gaspésien. Mais quand il y a une transformation avec une recette, un savoir-faire particulier qui vient de tout notre héritage au niveau de la morue, écoutez, on a ici en Gaspésie, on en a transformé de la morue gaspésienne, mais le savoir-faire est resté. Donc pour moi, ça, c'est un produit gaspésien. C'est un produit local. Ce serait une idée, par exemple, de décider que nous, on réduit notre menu, comme c'est fait dans certains restaurants de la région, même à Gaspé, là, dans la municipalité ou en Gaspésie, de vraiment... c'est une tendance en restauration, en fait, là, de plus avoir des menus de 10 pages avec énormément d'options. Souvent, maintenant, c'est un menu avec 3-4 choix de plats principaux. C'est ce qu'on a eu localement par nos producteurs, puis c'est ça qu'on vous offre ce soir. Oui, ça, c'est quelque chose qui est très excitant pour moi, pour le chef ici aussi. C'est ce qu'on veut amener. Mais ça, il y a une mentalité qu'il faut changer aussi. Si on veut amener les gens à accepter ça, c'est comme si tu t'assois au restaurant puis tu acceptes de manger ce que le chef a préparé pour toi ce soir. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois ou que j'ai envie de le vivre quand je vais au restaurant. Mais il y a encore beaucoup de monde qui le voit autrement, puis c'est bien correct aussi, tu sais, qui viennent au restaurant puis qui ont plutôt envie de réconfort, de choses qu'ils connaissent ou qui ont une idée précise de ce qu'ils voulaient manger ce soir-là. À ce moment-là, l'autre modèle de restauration fonctionne moins bien pour eux. Mais effectivement, c'est un menu qui coûterait plus cher, qui serait un peu VIP parce que on aurait, tu sais, c'est vraiment, ça serait que basé sur tout ce qu'on a autour de nous, là. Mais ça, c'est une transition que moi, je pense qu'il faut faire doucement, tranquillement, puis amener les gens à avoir ça. Comme amener un menu du jour, par exemple, c'est une solution. Mettre un plat qui est changeant à chaque semaine, par exemple, mais qui est carrément local. T'sais. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait ici.